Salut les métalleux, une nouvelle vidéo sur Yep. Là, je vous présente Georges, aujourd'hui c'est lui qui va m'aider à filmer. Donc voilà, c'est mon caméraman du jour. Georges, je te file la super caméra. Merci bien, je vais essayer d'être précis. Voilà. Allez, salut les métalleux. Alors c'est vrai, j'ai fait une vidéo rapidement pour pointer au point flash sur du DN50. Et en fait, c'est vrai, j'ai vraiment oublié de mettre les paramètres du poste pour pouvoir effectuer cette manœuvre de point flash. Alors je vais quand même vous faire voir, vous rappeler ce que c'est. Les points flash. Voilà, donc en fait, le truc c'est ça. Normalement, il faut une cagoule, je vais quand même la mettre. Donc en fait, voilà, si on a un assemblage comme ici, bien sûr, point flash c'est que pour du bout de bout. Hein. Donc voilà, le point flash c'est ça, je vais faire ça. Ok. Donc voilà, Georges, rapproche-toi un peu s'il te plaît. Voilà, ça c'est un point flash, ça va très vite. Bien sûr, ça va pas dedans. Et c'est vrai que la question qu'on m'a posée, c'est ouais, mais Yaya, c'est super ton truc, mais tu règles comment ton poste? Donc voilà, le poste il est là. Voilà, je suis à 99 ampères. Bon, ça c'est parce que je suis en 2 mm ou 2 mm3. Moi je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude, de passer à 75 ampères pour commencer. Surtout sur du 2 mm ou du 1,6, 1,6, même 70. Il faut commencer bas, tant pis, ça sera plus long le point flash. Bon, moi je suis à 99 parce que je suis en épaisseur 2-3. Alors ce qui est important en fait, hein, donc on va démarrer ici hein, pour le pré-gaz. Donc voilà, moi je mets 0,1 seconde, hein, ça va très bien, c'est juste pour être sûr qu'il y a du gaz dans la torche. Donc après 0,1 pour le pré-gaz. Ça bon, c'est 10%, vous pouvez le mettre aussi. Mais ce qui est important après, ça c'est ici. C'est la montée donc de l'ampérage. Il faut vraiment se mettre à zéro pour que les 99 ampères arrivent d'un coup. Ok, donc ici, important, zéro. Ok, ici, bon, ben là, j'ai les 99 ampères. Bien sûr, je suis pas en pulse, hein, donc ça, c'est juste que si je lâche, j'ai 10% de mon ampérage là. On s'en fout un peu de ce paramètre là. Aussi, ce qui est important, donc ça, c'est l'évanouissement. Ici c'est l'évanouissement, il faut vraiment se mettre à zéro pour que vraiment le point il s'arrête tout de suite. Parce que si on a un évanouissement, en fait on risque de passer à travers et de rocher à l'intérieur du tube. Donc c'est important que l'évanouissement soit à zéro. Et la montée comme on a dit, zéro. Et pour finir, pré-gaz. Ah là j'ai beaucoup, mais bon voilà, une seconde ça suffit. Les deux paramètres importants, voilà. C'est ici, il faut que l'ampérage monte d'un coup. Donc on met zéro. Là, j'ai 99 ampères parce que je suis en épaisseur de 3. Et surtout aussi l'évanouissement, zéro. Vraiment pour qu'il n'y ait plus de chaleur, pour que ça n'aille pas. Si avec l'évanouissement, on risque de perforer en fait. Enfin, de rocher à l'intérieur. Donc voilà pour les paramètres pour faire des points flash. Moi, je vous conseille aussi, bien sûr, de vous mettre en deux temps. Car en deux temps, on va juste faire tac et on va lâcher et c'est fini. Si on se met en quatre temps, c'est double manœuvre. Hein. Il va falloir faire ça, ça. Je vous conseille pour les points flash de vous mettre en deux temps. Et les paramètres, on les a vus. Maintenant, je vais voir juste à quoi ça sert quand même les points flash. Savoir que les points flash, moi j'en ai fait au début, c'était pour tout ce qui était fabrication pour l'orbital. Parce que l'orbital, on ne peut pas mettre des points qu'on soude à l'orbital. Il faut que ce soit automatiquement du point flash, que ce soit pour du pharma, du stérile. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du point flash. Et en fait, j'utilise beaucoup cette technique. Qui va très bien, même si après le soudeur il soude avec le métal, il n'y a pas de souci. Donc en fait, voilà, on se met là, on baisse la cagoule, voilà, point flash, ça marche comme ça. Attends, je vais tourner un peu, genre ça y voit les gens, voilà, ça c'est du point flash. Alors je fais vite deux points parce que ça, je vais en avoir besoin après, c'est pour un autre tuto d'ailleurs. Alors faites ça avec un masque, hein, c'est mieux. Moi je mets la main parce que ben voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est point flash, c'est pointé. Alors je veux quand même vous faire voir que ça risque rien, parce que là on pourrait dire ouais, peut-être qu'il y a, t'as roché à l'intérieur, c'est vrai, on le voit pas. On va vous faire l'exemple sur ce petit bout, comme ça on verra à l'intérieur. Alors bien sûr, on peut pointer aussi avec gaz quand c'est demandé. Mais si c'est pas demandé, n'hésitez pas. De pointer avec du gaz, n'hésitez pas. De faire avec du point flash, ça gêne pas les soudeurs. Si vous avez peur que ça pète, ben vous allez doubler vos points flash. Mais franchement, c'est trop bien. Bon, là, je vais juste tourner la tête un peu. Donc voilà, là, je vais faire 4 points flash déjà.
Mettez les cagoules, les gars. Moi, ça, c'est pas bien, mais voilà. Ok. Après, si vous avez une cagoule électronique, ça, c'est le top. Voilà, donc là, j'ai fait 4 points flash. Je vais mettre un peu de lumière. Alors, bien sûr, voilà, je veux dire, il n'y a pas de rochage. Il n'y a rien du tout. Ça va très vite, hein. C'est sans azote, sans inertage à l'intérieur. Après, beaucoup demandent l'inertage, mais sinon, voilà, moi, même pour la chimie, pour n'importe quoi, si c'est goutte-goutte, voilà. C'était donc pour les paramètres du poste, pour les points flash, je pense que c'est clair, vous voyez que vous ne risquez rien. 99 ampères, ça c'est bien à partir épaisseur 2 ou quand on a l'habitude. Mais franchement, n'hésitez pas à faire des points flash, même les soudeurs, ils sont contents. Et puis en plus, on peut souder à l'orbite. Voilà, maintenant, vous connaissez les paramètres pour faire du point flash. Et bien, à la prochaine vidéo. Salut les métalleux, ciao!